Amen. Tu vas prier, remettre tout ce moment entre les mains de Dieu. Que tout ce moment soit sous sa conduite, sous la direction du Saint-Esprit. Prions et recommandons-le à Dieu. Oh,
Thank you.
Papa, oh
Jésus. Vous êtes là, que Dieu bénisse. Amen. J'ai deux jours de repos dans la semaine, genre lundi et mardi sont mes jours de repos, et surtout que je reviens d'une grande croisade où je me suis donné à fond. Vous savez, quand on fait une croisade dans un village où j'étais en même temps objet de beaucoup d'attaques parce que le diable est sur le territoire des démons, des mangeurs d'âmes, mais il fallait vraiment se donner à fond. On avait pratiquement trois jours pour boucler la croisade de Bravo, du coup, c'est ce qui a été fait. Donc nous avons fini le dimanche pratiquement vers 16h. Tout a été bouclé. Mais depuis hier, je suis en activité. Il fallait boucler mon clip. Il fallait, je peux encore aujourd'hui ce matin recevoir des gens. Ce mec m'appelle souvent sur le Skype. Je vais lui dire, mais vous comprenez, il y a souvent des réalités au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est que il y a des gens qui viennent ici. Il faut vraiment les aider. Moi, je ne suis pas forcément sur le net. Ben, nous allons sur le net pour vous aider parce que nous pensons aussi qu'il y a des personnes de l'autre côté qui ont besoin aussi de notre aide. Donc, ce n'est pas la peine de nous mettre la pression. Surtout que ça va être mercredi, c'est mon jour de réception. C'est ce qu'il dit aux gens quand même. Apprenez quand même à respecter la liberté de d'autres personnes. Quand vous dites mercredi, respectez le mercredi. Nous, on a commencé à nous organiser et quand vous dites mercredi, nous prenons des efforts pour respecter. Ça fait maintenant un mois, quelques semaines. Qu'on a commencé à respecter les mercredis. À part le week-end, le mercredi passé, parce que j'étais dedans par rapport à nos activités. Je devais rentrer au Togo demain. En principe, je m'en vais au Togo. Je ne suis pas au Togo. Je vais me rattraper parce, par rapport au rendez-vous que j'ai donné aux gens. Donc finalement, ça serait vendredi matin. J'irai au Togo pour une semaine. C'est-à-dire qu'on va au Togo pour une semaine dans la grâce de Dieu. Moi et le président Seko seront au Togo. Et en même temps, on a des rendez-vous à faire au niveau du Bénin. C'est pas loin. On va aussi faire une mission au Bénin. Parce qu'il faut détruire les territoires sataniques. Voilà. Donc, je serai de retour par la grâce de Dieu. Mais ce vendredi, il y a une veillée à Zaroko. Il y aura une très grande veillée encore à Zaroko ce vendredi. Nous serons de retour le 19, c'est un jeudi. Et le 20, nous allons une veillée. Mais en même temps, nous sommes en train de préparer notre entrée au niveau de Paris, la France, et c'est très bientôt. Voilà, c'est très bientôt. Amen. Voilà, la France est confirmée, hein. C'est pas pour dire non, ça traîne. Je ne suis pas le genre de personne qui aime traîner sur les choses. J'ai dit que c'est confirmé, c'est à notre niveau ici. Nous sommes en train de faire des retouches. Parce qu'avant que je ne parte en France, il faut mettre une organisation derrière moi ici et tout ça. Donc, c'est tout ce que je suis en train de voir ici. Sinon, c'est bouclé. Voilà, maintenant, il y a un souci au niveau de ceux de Londres. Ils ont vu une vidéo qui a été postée où je disais aux gens, j'ai parti en France pour un mois. Je ne sais pas où est le problème. Le problème, il est tellement simple. Si j'ai fait un mois en France, il n'y a pas de problème. Vous serez obligé de changer les dates au niveau de trucs. Parce qu'il y a un grand besoin au niveau de la France par rapport à Londres. Voilà. Il y a un grand besoin. Donc, si j'ai fait un mois en France, quand je serai en France, la délégation de Londres me trouvera en France pour qu'on puisse ensemble établir notre programme. Mais ça n'est pas dit que le prophète ne viendra plus sur Londres. Non, si, je viendrai sur Londres. Je serai à Londres, mais j'ai déjà un grand besoin. Moi, Dieu m'a mis à cœur en vent, dans le continent européen, il faut que la France soit d'abord visitée. Il y a maintenant une pression. On veut que tu arrives d'abord à Londres avant de venir à Paris. Il dit non, moi je suis le schéma de l'Esprit de Dieu. Pas à votre manière de voir les choses. Moi, c'est le Saint-Esprit, je suis. Si ça prend du temps, il faut que je commence par la France pour venir à Londres. Voilà. Mais même si vous êtes déjà tout prêt, la France aussi sont déjà prêts. Tout est fin prêt là-bas. Voilà, c'est un autre niveau, les trucs techniques, il faut régler certaines choses, il faut mettre des choses en prière, il faut mettre une organisation. Voilà, donc Londres, c'est pas reporté. Bon, Londres, c'est pas annulé, mais je serai en France, et quand je serai en France, je serai à vous. La délégation vient me rejoindre en France, et ensemble, on va encore décider d'une autre date, et sinon, c'est pas annulé. Voilà, maintenant, j'en profite pour remercier la sœur Diamant. Diamant, c'est ça? Je m'habitue à ton nom, parce que c'est une pierre précieuse, diamant. Il y a l'or, elle a ça, une ses camarades aussi, l'or, qui s'occupe aussi de notre arrivée, elle a Lyon, c'est ça, non? Les deux pierres précieuses, diamant et l'or. Ça fait que vous êtes ensemble, vous êtes diamant et l'or ensemble. C'est terrible. Voilà, bien. C'est vrai qu'hier, on est sorti hier pour aller manger. Il fallait sortir avec les gens. C'est pas facile, hein. Nous, on est dans le fait de sorcellerie, on prie, on jette. Ouais, on jette quand les autres sortent là.
J'aime quand il y a des moments de trucs manger. Celle qui c'est son argent qui vous a fait manger hier. C'est pas le naïf de prophète. On a mangé, on va essayer de goûter voir parce qu'il y a des gens ici là. Ils ne voulaient pas les rassasier. Mais par miracle, Dieu a fait qu'on a mangé, on est rassasié. Tout qu'on a envoyé à la maison. C'était un grand miracle hier. Je connais des gens ici là. C'est des grands mangeurs. J'ai moi, vous n'avez jamais vu les morceaux. Mais hier, on a envoyé des morceaux hier au secrétariat. Mais c'est elle hein, qui va vous offrir le plat d'hier. Vous savez, comme disait le récit, mais c'est elle. C'est son argent qui vous a fait manger hier. Elle suit les activités, ça parle longtemps. Donc elle suit nos activités. Elle est vraiment plongée dans la chose. Elle a commencé à aimer ce ministère parce qu'elle était vraiment victime de la sorcellerie. Elle est venue elle-même bénéficier d'une aide spirituelle, une assistance spirituelle. Mais en même temps, elle aimerait que. Le ministère aussi aide aussi ceux de la diaspora. Elle a aussi des enfants spirituels là-bas. Elle s'engageait corps et âme pour l'organisation. Donc une bonne structure en train d'organiser la chose. Elle-même est venue même s'imprégner de certaines réalités au niveau du ministère, en fait d'apporter une assistance au ministère. Et ça, c'est déjà très important pour nous. De penser qu'il y a des personnes qui sont derrière de l'autre côté, qui regardent. C'est ce qu'il dit aux gens. Quand vous voyez les vidéos sur l'Internet, nous payons l'Internet ici, c'est le Wi-Fi. Souvent les gens, nos prophètes aujourd'hui n'ont pas mis des vidéos. Ben, les vidéos, on les met en ligne, on les paye. Tout à l'heure, je viens de régler mon internet chez moi à la maison. Le 10, on veut qu'on le coupe chez moi. Donc quand je suis à la maison, je ne suis pas déconnecté de l'étranger. J'ai l'internet chez moi à la maison pour parler avec les gens sur le Skype. Mais je paye chaque fin du mois 25 000 francs d'internet chez moi. Et ici aussi, au centre ici, nous avons 8 mégas. 8 mégas qui nous revient à 45 000 francs. Ça dit 46 000 francs parce qu'on ajoute un peu. Voilà, donc c'est pratiquement 65 000 francs, 66 000 francs d'Internet par mois. Voilà, donc on investit beaucoup, pas parce qu'on a envie de faire malin, non, parce qu'on a envie d'aller très loin aider les gens. Si Satan aujourd'hui utilise l'Internet, si les gens utilisent l'Internet pour envoûter les gens, la pornographie, il y a trop de choses d'Internet, il faudrait qu'il y ait aussi des choses positives sur l'Internet pour amener les personnes à comprendre la réalité des choses spirituelles. Et surtout que je pense aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers de notre vidéo, vous avez vu la dernière fois une femme pasteur qui est venue de l'Italie, qui a même dit qu'au travers de notre vidéo, elle a été vraiment délivrée. Il y a eu l'entente entre elle, son mari et elle. Ben, son mari est blanc. Il ne maîtrise pas les choses de sorcellerie. C'est depuis qu'elle a commencé à voir ma vidéo. Et son mari aussi a commencé à s'imprégner de la vidéo. Il y a eu la paix véritable dans son foyer. Et son ministère, ça a relancé son ministère. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Même en Suisse, il y a des personnes musulmanes qui ont donné la vie à Jésus. Nous avons vu nos soeurs aussi, Aïda, qui a donné sa vie à Jésus. Elle était musulmane, elle s'est donnée à Jésus. Il y en a plusieurs personnes comme ça qui ont eu pas mal de délivrances et tout ça. Nous avons aussi des délivrances sur Skype. Des délivrances sur Skype pour dire que nous pensons à vous. Mais en même temps, il faudrait penser à soutenir le ministère. Vous voulez voir le ministère aller très loin, il faudrait le soutenir et ça, c'est important. Voilà, donc je remercie aussi, Augustin. Et nous, on règle souvent les problèmes de voiture, de véhicule par moment. Quand on a des soucis de véhicule, nous le rendons comme service rapidement. Et ça, c'est important de penser qu'il y a des personnes qui sont là juste à côté pour nous soutenir. Amen. Oui. Voilà, tu peux aller t'asseoir. Elle aussi, elle a envoyé des habits et tout ça. Et tout quand il y a des choses comme ça, je vais en parler. Parce que pour moi, c'est vraiment important de parler de ça. Voilà, vous qui venez aussi de l'Europe, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, il y a des réalités ici. C'est vrai que vous êtes difficile chez vous, mais il y a des réalités. Quand vous allez commencer à soutenir le Dieu, Dieu va vous bénir. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas comment toucher le cœur de Dieu. Moi, quand je commence à être moisi, je prends l'argent, je vais donner aux gens à la rue, et puis Dieu me bénit. Parce que le seul moyen qui active la grâce, c'est lui donner. C'est ce que les gens savent pas. C'est ça pas. Or, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Celui qui avare, c'est un sorcier. Celui qui avare, qui ne partage pas, c'est de la sorcellerie. Il y a des gens qui ne partagent pas. Il veut toujours avoir des gens, il veut toujours recevoir des gens, il ne veut pas partager, mais ils ne sont jamais bénis. Ils économisent, mais il y a toujours des problèmes. C'est quand tu donnes, Dieu te bénit. Voilà, c'est quand tu donnes que Dieu te bénit. Il y avait des autorités de la ville ici de Divo, dont j'étais le nom. Ils étaient surpris que le premier, je suis allé faire bonne année. Ils sont surpris. Non, le prophète, c'est nous qui devons faire bonne année. Il a dit non, qui vous a dit ça? Ah, que vraiment, où les hommes de Dieu, c'est nous qui devons faire. Il a dit, mais l'église doit augmenter qu'elle a l'argent. Ah, l'or et l'argent, tout ça, vous savez, l'église. Pourquoi vous voyez l'église comme un truc où c'est la misère? J'essaie vraiment de toucher. Que c'est la première fois que vous voyez. Je dis oui, c'est le message que je vous donnais.
que ce n'est pas nous qui donnons toujours tant dans la main, c'est nous qui devons donner à manger. Mais si on a des autorités, il faudrait que nous démontrons qu'il y a l'argent à l'église. Et moi, c'est ma politique. C'est pour ça que je suis en train de me battre pour que cette église-là, ici, nos bien-aimés, nos soeurs, n'aient pas de problème d'argent. Que celles sont ici dans cette église, comme on trouve une soeur qui vient ici, qui n'a pas d'emploi, qu'on arrive à l'installer. Et ça, moi, c'est un peu mon combat. C'est mon combat. Parce que l'église, là où se trouve l'or et l'argent, c'est là où Dieu se trouve. Or, l'or et l'argent appartient à Dieu. Voilà. Donc, la meilleure stratégie, c'est d'aider les gens. Il faut les aider à fond. Ailleurs, c'est pas ça. On voit les pasteurs qui ont plus d'argent. Et ils demandent toujours fidèles de cotiser. Non, mais l'église doit aider. Les offrandes qui sont là appartiennent à l'église. Il faut aider les fidèles à fond. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher. Il a aussi nourri les personnes. Amen. Amen. Je ne vais pas trop me mouvoir parce que je suis fatigué. Amen. Mais quand j'ai un besoin, il y a des personnes que je dois libérer, qui doivent entrer sur Abidjan et tout ça. Pour gagner en temps, il fallait démarrer aujourd'hui, demain, parce que je m'absente pour une semaine. Il fallait commencer aujourd'hui, demain, jeudi, travailler. Vendredi, je prends mon vol pour Lomé et je serai à Cotonou. Je vais être dans deux villes et dans deux pays. Je serai à Togo et même au Bénin pour les délivrances des cas de délivrance. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Vous savez, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous donner à Jésus. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu es à Jésus, tu es à l'abri de tous les dangers. Amen. Amen. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu es à l'abri de tous les dangers. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas dit que tu n'as pas avoir des problèmes. C'est différent, tu n'as pas avoir des problèmes. Or, la Bible dit que le malheur attendra parfois le juste, mais l'Éternel en délivre tous les jours. Ça veut dire quand tu es en Jésus-Christ, tu deviens immédiatement enfant de Dieu. Nous voyons ça dans Jean le chapitre 1. Le verset 12, allons-y. Jean le chapitre 1, le verset 12. Quand on accepte Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Amen. Amen.